Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Yubesh Activity. On est parti pour faire une nouvelle vidéo sur One Piece to the Storm. D'ailleurs, je vous remercie énormément par rapport aux 5 ans. J'aurais en général, c'est les vidéos comme les plus vues. Pourtant, je fais des vidéos de plus de 4 ans. Quand même, presque 4 ans, hein. Pas vraiment 4 ans pile, mais je suis quasiment au bout de 4 ans, mais les 5 ans, vraiment, voilà, on va dire que c'est des vidéos qui font quand même un peu plus de vues. Voilà. J'ai comparé peut-être au festival de mois de mars, et voilà. Il y avait quand même une sacrée différence, je vous remercie. Vous commencez de plus en plus nombreux, donc voilà, donc c'est cool. Voilà, donc ici, il y a le retour de Ace, c'est les spéciales des 3 ans, saut de retour. Je pense qu'on pourra les éveiller jusqu'en en 10 étoiles, les personnages. Donc, il n'y a que Ace qui a reçu une nouvelle spé. Sabo, il est là en tant que personnage, hein. Lui, il a reçu une spé il n'y a pas très longtemps. Et une spé Turbo, il n'y a pas eu très longtemps, donc voilà. Voilà, donc il y a une multi gratuite. Moi, à partir de là, moi, je vous conseillerais de commencer à économiser. Voilà, je pense que là, on commence à être à la fin des 5 ans. Moi, à partir de là, je vous conseillerais d'économiser. Je suppose qu'il y a moyen de dropper l'aspect avec le ticket. L'aspect de hate avec le ticket. Moi, personnellement, je commence à économiser. Moi, je vous conseille d'économiser jusqu'au mois de juin. À partir de là. Là, je pense qu'on est quasiment à la fin des 5 ans. Mais avec Roger, avec les 5 ans, voilà. Je pense qu'on va aller mollo un petit peu. Et franchement, là, mon conseil, commencez à utiliser jusqu'au mois de juin. Il y aura un festival. Et le festival, c'est, on va dire, c'est le meilleur. C'est le meilleur moment des invocations. Bah, parce que là, moi, je vous conseillerais de commencer à économiser. Voilà. Puis peut-être, je ferai un bilan par rapport aux 5 ans. Peut-être voir plus. On verra bien quand je vais m'adapter, peut-être faire un bilan de ces 5 ans, peut-être voir au bout de 5 ans, c'était un truc ainsi. Donc voilà. Et comme des news, comme quelques news sur le jeu, vous voulez trouver des animaux à farmer. Je que c'est la dernière semaine, il me semble. Voilà. Donc là, il y a la mission. Ah, c'est un peu plus long. C'est un petit peu plus long avec les amiraux. Donc, on va manger. Ok. Ouais, il y a des pièces, ok. Donc on peut faire, bon, on peut monter les personnages en 10 étoiles. Ok. Il y a des spares récupérés. Donc c'est l'anniversaire de Luffy, hein, donc ils ont donné une multi offerte. Donc ça garantit quand même quelque chose. Et pas non plus, hein. Ils ont fait forcément une carte bonus. Hein. La bonus de collection. Donc apparemment on peut quand même farmer le Roger. Donc l'événement, le fameux événement est terminé hein, avec le Roger. Simplement. Je pense que là on peut le farmer, je pense. Hein. Je suppose, hein. Le top des personnages préférés, je suppose. Hein. Regardez les news, hein, en tant que vous. Regardez les news.
ça ils l'ont montré. Une petite offerte. Donc toujours j'avais une petite à 30. Forcément, je préférais pas forcément gaspiller. Hein. J'avais une petite à 30. Ça c'est tous les jours, il me semble. Et voilà, ouais, c'est pas. Pourquoi pas l'outil à 30 au moins, pour dire, mais sinon. Il y a un palier avec la garantie, l'aspi turbo de sabot. Quoi qu'il y ait, vous avez quand même les tickets. Donc, vous avez quand même les tickets. L'outil à 30, pourquoi pas. Mais sans plus, quoi. C'est pour la récupérer une fois, hein, c'est tout. C'est juste en mode de la récupérer une fois. Et bon, à partir de là, j'en ai économisé. Donc, ok, ils offrent des pièces. Parce qu'il y a moyen de les former. Hein. Il y a pas moyen de les former. Okay. Carboneux, ça c'est cool. En vitesse, en sniper, ça c'est cool. Bah les personnages, je les désire. Hein. Ils sont déjà en 7 étoiles, je pense. Voilà, en 8, 7 étoiles, en 8 étoiles, en tout cas. En 7 étoiles, je pense. Moi, je les ai déjà, hein. Forcément. Hein, vu que c'est les personnages des 3 ans. Forcément, je les ai déjà. Donc, vous pouvez les farmer, etc. Et donc, il y a un bonus de collection avec le Luffy. La vidéo va être courte, hein. Donc vous pouvez farmer, vous pouvez aller jusqu'en 9 étoiles, en 10 étoiles. Après, je mettrai le Luffy en 10 étoiles, mais c'est tout. Donc j'ai déjà un Luffy maxé en arbre de compétences. Donc voilà. Donc celle-là je ne l'ai pas, donc elle est sortie fin janvier, déjà. Et si vous voyez que c'est 400 454, 140 SP, c'est une SP en zone. Hein. Et là, il me semble aussi. 440 506, 50% de pénétration.
Voilà, donc on va faire la multi gratuite, hein. Excellent. Ça vaut quelque chose, sans mieux, sinon. Au cas où j'ai l'aspect comme l'aspect turbo de Ace. S'ils avaient l'aspect turbo. Voilà, s'ils avaient l'aspect turbo de Ace. Faut pas spécialement forcer. Dessus. De garantie pour l'instant. Une compétence, je prends. Forcément, j'ai rien eu. Un tout spécial. Faire la mutée à 30 et puis ça, vous avez les tickets, hein, quand vous avez quand même les tickets. Pour moi, il ne faut pas forcer, quoi. En tout cas, je commence avec Uzi jusqu'au mois de juin. C'est la dernière, puis bon. Avec Uzi, je pense qu'il doit avoir sa speed turbo, hein, dans le. Désolé. Ouais, il y a sa speed turbo. Qui est dedans. De 40% au moins. 1% en moins, forcément. Allez. Mais les deux, je serais content. Donc ça vaut... entre guillemets, il y a déjà 3 spéciales. Hein. Il y en a une spéciale gratuite. Donc au-delà de la gratuite, il y en a 3. Ah. Après, ça peut être des doublons, hein. On sait qu'il y a d'autres spé. Ça peut être des doublons. Au moins, comme ça, c'est fait. Ça, on n'en parle plus. Voilà, l'aspect turbo. Le cerveau. Je prends. Un petit doublon de SPL, un premier SPL de Ace, de Sabo. Désolé. On se sera recommencé bien. Désolé. Ça sort quand même assez bien. Donc là, je vais utiliser les tickets et puis. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Hein. Vraiment. Bon, je sais qu'elle est garantie, mais bon. C'est pour ces 500. C'est pour ces 500 pour avoir un SPL garantie. Non, merci quoi. Non, c'est toi. Pas bien. Il était monté. On est bien.
La compétence. Je suis trouve pas. Et oui, ça c'est cool. Ensuite, c'est forcément ça ce que... Heureusement, il faut que nous tête sur le spécial déjà. Et aussi pour la vie. Donc j'ai vu pas très longtemps pour lui, il me semble. Trois. Regardez les commentaires. Et faire une réserve de... Il permet d'augmenter l'aspect un peu. Va essayer de quand même... à conserver pour essayer de monter certains SP jusqu'en haute étoile en fait. Pas forcément au max, mais d'essayer de monter des SP jusqu'en haute étoile. Voilà. Peut-être un petit peu S.
Voilà. Ça se peut Donc c'était une vidéo sur One Piece 2 Zestern. Donc c'est un petit peu la suite des 5 ans, mais je pense qu'on commence à arriver à la fin. Allez, pourquoi pas l'habitude d'attendre. Donc c'est une lutte qui se fait tous les jours, hein. Donc voilà, moi si vous avez droppé une des deux, voilà, c'est très bien, que ce soit la gratuite soit la 1430. Dès que ça a chopé, voilà, vous arrêtez là, hein. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. C'est pas des portails qu'il faut forcer dessus. Moi je vous conseille de conseiller que vous ayez vraiment jusqu'au mois de juin. En plus vous allez cliquer, donc c'est comme encore une multi à côté. Donc si vous l'avez pas, je pense pas à la fin du monde. Si vous avez l'aspect turbo de Ace, ça passera quand même, hein. C'est une spi assez récente, donc ça passe quand même, voilà. Voilà, donc c'était une vidéo sur One Piece The Storm. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus. Commentez, voilà, ce que vous pensez en général de ces 5 ans, voilà. Donc je ferai un espèce de bilan, hein, par rapport aux 5 ans, peut-être voir un atout aux 5 ans. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. À moi qui, après pourquoi pas, j'imagine la suite, ce serait les amiraux. Là, on aurait Kizaru mis en avant. C'est le seul qui n'a pas eu de spirituel à l'heure actuelle. Parce que les amiraux, il y a déjà eu Aokiji et Akainu. Le seul qui n'y aura pas, c'est Kizaru. Mais sinon, on ne va pas. Soit on est sur les fins, vraiment. Ou voilà. Si de voir quelque chose à la suite, oui, ce serait les amiraux. Mais ce serait Kizaru qui serait mis en avant. Sinon, je ne vois pas. Ce qu'il pourrait avoir d'autre, en fait. Moi, personnellement, je conseille à économiser pour la suite. Voilà. Pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Donc, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Aux prochaines annonces.